Bonjour mes petits loups, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Dans la dernière expérience, je vous ai expliqué que l'acier coule dans l'eau à cause de sa masse volumique. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous montrer un tour de magie. Regardez, j'ai mis un trombone en acier dans une bassine d'eau et pourtant, il flotte. Non mais sérieux ! Par la perruque de la place. C'est quoi ce bazar ? Bon, je vous explique. Évidemment que c'est pas de la magie, c'est de la science ! Une fois de plus, j'ai utilisé la tension superficielle de l'eau. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, j'ai ici une bassine avec de l'eau que j'ai colorée en bleu, comme à mon habitude, histoire que ça se voit mieux. On commence par déposer un morceau de papier absorbant à la surface de l'eau. On va ensuite mettre le trombone dessus. Vous voyez que le papier absorbant sert un petit peu de bateau pour notre trombone. Et il ne reste plus qu'à faire couler l'essuie-tout. Tout doucement. Et on l'enlève. Et on se retrouve avec un trombone qui flotte. Regardez! C'est de toute beauté! Vous pouvez réaliser cette expérience avec un trombone ou même une aiguille. Et si vous êtes agile, il est possible de faire flotter l'aiguille sans même utiliser l'essuie-tout. C'est d'ailleurs ce qui se passe à la surface d'un lac avec un insecte appelé le géri, qui arrive à glisser sur l'eau sans couler. Et comme la dernière fois, il suffit d'un peu de produit vaisselle pour briser la tension superficielle et faire couler le trombone. Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison, parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part, sinon je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.